distance de fond, si vous voulez. Voilà. Nous sommes partis, nous avons pendant 8 mois marché en attendant que la loi devienne parfaite et soit promulguée. Elle est promulguée. Maintenant, nous nous installons dans une résistance de fond, une résistance structurelle, et c'est au gré des événements, encore une fois, il y a plein d'autres, engagements du président de la République à faire qui ne seront peut-être pas totalement réalisés et qui peut-être que les Français n'en sont pas d'accord. Eh bien, sachez qu'ils trouveront une base de résistance, toujours, celle de ce que nous opposons à ce changement de civilisation. Et peut-être que ça sera une base qui pourra aider les Français à dire leur opposition au reste de la politique du président. Mais très concrètement, comment ça va se traduire, cette évolution du mouvement Manif pour tous, dans le long terme? C'est quoi, ça va être un lobby, une association régulière? Ah non, comment non, on va s'organiser? Comment? Comment on va s'organiser maintenant pour voir plus loin que l'instant? Cher monsieur, ça n'est pas ni un parti, ni une institution, la Manif pour tous. C'est le mouvement du peuple qui s'oppose à ce changement, encore une fois, fondamental de notre civilisation, de notre société, de notre régime politique. Bien. Eh bien, c'est à lui de décider, et ça se fera spontanément, comme tout s'est fait spontanément, et c'est ordonné spontanément, selon sa volonté, celle des citoyens qui, aujourd'hui, ont un intérêt commun, un intérêt du bien commun. Donc je ne peux rien vous dire, je n'en suis pas, moi, aujourd'hui, quelqu'un qui en décide. Je ne suis qu'un porte-parole, et ce porte-parole, il sera porte-parole de la suite aussi des événements. En revanche, je sais très pertinemment, comme je viens de vous le dire, que cette résistance est en train de s'installer structurellement pour durer. Elle va s'asseoir pour dire, vous savez, c'est cette chanson d'Alain Souchon, tu verras bien qu'un bon matin déterminé, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté, là on va aller s'asseoir sur tous les trottoirs de France, et en permanence. Voilà, hein, le sitting. Le sitting du 26 mai, ça va être quelque chose. D'accord, ça va être, voilà. Vous nous le promettez. Oui, le grand sitting du 26 mai, car 26 mai qui va durer longtemps. Et pour finir, une dernière question, comment on fait, quand maintenant que la loi est passée, comment on fait pour justement éviter l'essoufflement, comment on fait pour... Vous n'avez pas peur de ça? Il n'y a pas d'essoufflement de la conscience. Il n'y a pas d'essoufflement de cette idée qu'il n'y a rien de plus grand dans l'engagement. Vous savez, c'est un mouvement nouveau qui est né. Les jeunes se sont réveillés. L'engagement citoyen s'est réveillé. Et il n'est au service que d'une seule cause, de mettre l'humain au cœur de notre société. De se lever pour la dignité de l'être humain, la dignité du plus faible, la dignité de celui qui n'est pas représenté. Et ça ne peut pas s'arrêter, ça ne s'essoufflera pas. Donc vous serez encore là dans 4, 5 ans, 10 ans s'il le faut? Mais bien sûr, tant que Dieu me prête vie, ici-bas. Voilà, merci. Merci d'avoir pris le temps. Je vous en prie.